Hey yo, c'est Roxane et je suis de retour après un mois de vacances à peu près, je crois, pendant lesquelles j'ai préparé ce retour, justement. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai aussi profité de mes proches, hein, même si j'ai préparé ce qui arrive maintenant. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Oh là là, je suis tellement heureuse de revenir, si vous saviez. J'avais tellement envie de pouvoir vous partager des choses. Même sur les réseaux sociaux, j'ai pas trop pu le faire, puisque justement, tout ce que j'ai préparé pour ce retour, c'était du spoiler, si je vous le montrais. Donc, je ne pouvais pas vraiment. Je vous ai montré quelques petits sketchs sur Snapchat et Instagram, mais c'est tout. Et maintenant, je vais enfin pouvoir vous montrer ce que j'ai fait pendant l'été. Je suis trop contente. Et il va y avoir pas mal de nouveautés, dont des horaires qui vont apparaître. Il n'y a jamais eu d'horaires sur la chaîne, parce que techniquement, j'étais pas vraiment prête pour ça. Et même, c'était assez difficile pour moi de les tenir, parce que justement, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire, j'avais pas vraiment le programme, enfin, j'étais pas hyper organisée. Mais maintenant, ça va, je suis prête. C'est parti! On va donc se retrouver tous les vendredis à 16h30, comme aujourd'hui, et tous les mercredis à 12h30. Donc je me suis un petit peu calée sur les retours d'école, quand vous êtes tranquille à la maison, ou que vous allez arriver. Je me suis dit que ce serait cool, et puis voilà, comme ça on a des horaires, on sait quand est-ce qu'on se retrouve. Ça peut être vraiment sympa si on partage des choses de manière régulière, et justement plus souvent que d'habitude, parce que, pas trois jours d'écart entre chaque vidéo, je me dis que voilà, ça peut vraiment devenir un petit bout de quotidien qui peut être très sympa à partager ensemble, quoi. Partager ensemble, ce serait pas un nouveau pléonasme? Ou enfin, c'est un pléonasme que je ne connaissais pas, en tout cas, je crois bien que c'en est un. Bref, on va parler de ce que vous avez sous les yeux. Alors, qui dit rentrée, dit nouvelle image de profil, et donc autoportrait, ou en tout cas, c'est mon avatar, un petit peu évolué, puisque j'ai changé de coupe depuis, j'ai une petite mèche un peu plus longue, et mes cheveux ont poussé. Donc, vous avez vu au début que mes mèches étaient moins en volume, vous avez vu évoluer à un moment de la vidéo où j'ai changé ces mèches-là. Et j'ai aussi allongé ma frange devant parce que je voulais que ça corresponde plus à la réalité, puisque en vrai ma frange est plus longue et mes cheveux sont un petit peu plus volumineux, je dirais. Sur ce portrait, j'ai décidé de garder les mêmes habits que l'année dernière sur l'image de profil que j'ai habituellement, parce que c'est un pull que j'aime bien, et puis ce sont des teintes que j'aime bien aussi, ça rappelle un peu l'automne et tout, c'est quelque chose que, voilà, qui me plaît. D'ailleurs, ce pull, vous pouvez le voir, même si c'est pas exactement la même teinte, dans le 221 sur Harry Potter et la technologie, c'est celui-là en fait que j'ai essayé de représenter dans mon avatar, même si c'est pas la même teinte, mais voilà, je l'aime bien, et puis c'est simple, ce sont des teintes qui me plaisent beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé beaucoup de choses cet été et j'ai aussi énormément dessiné, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir un peu progressé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une différence, que ce soit dans ce speed paint ou dans ceux qui arrivent dans les prochaines semaines. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous voyez une différence, parce que bon, on n'est pas forcément objectif sur ses propres dessins. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. En tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir appris de nouvelles choses sur la maîtrise, du digital painting ou alors du traditionnel. Vous verrez dans ce qui arrive. Même techniquement, j'ai fait pas mal de dessins, d'observations et ça aide beaucoup pour progresser. On arrive à la fin de ce speed paint, j'espère que cette image de profil vous plaît, parce que vous allez la voir sur pas mal de réseaux sociaux et un petit peu partout de mon côté. J'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite de cette aventure YouTube sur la chaîne, etc. J'espère que les vidéos qui vont arriver vont vous plaire et qu'on pourra passer un petit moment ensemble tous les mercredis et tous les vendredis pendant le mois de septembre. Pour ce qui est du mois d'octobre, je vais pas en parler parce que j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo précédente et je ne vais pas spoiler. Après octobre, je n'ai pas encore prévu ce que je vais faire ni si je vais garder les horaires que j'aurai eu pendant le mois de septembre. On verra dans quel état je me trouve et si peut-être j'ai anticipé. Enfin, voilà, je verrai si je me sens de tenir encore les deux jours par semaine ou si je réduis ou si je fais comme avant. Enfin voilà, c'est vraiment un test en fait ce mois de septembre. On va voir comment ça se passe. Sur ce, on se retrouve sur les réseaux sociaux et surtout, on se retrouve mercredi à 12h30. Wouh ! Pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à partager celle-ci si elle vous a plu. Vous savez que ça aide beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi. Oui, hippie.